Le pays Zafmanir se situe à 250 km au sud de Tananarive. On y accède par une très belle route, longeant les rizières en terrasse et les cultures des hauts plateaux. En chemin, on trouve de nombreuses occasions de s'arrêter pour admirer l'ingéniosité et la créativité de l'artisanat local, réalisé avec très peu de moyens. Merci, vélo. 3 heures sont nécessaires pour rejoindre Antsirabe, à 160 km au sud. Cité cosmopolite au passé historique, Antsirabe est une ville très animée. Merci. Non, merci. Je n'ai pas besoin. La route arpente les collines du Betsileo. Nous sommes entre 1400 et 1500 mètres d'altitude. Nous retrouvons les petits vendeurs de fruits qui jalonnent tout le parcours. C'est fatigué. 500. 500. Oui. Nous arrivons à Amboust, 90 km, au bout de 1h30 de trajet. Fruits et légumes sont très sains à Madagascar et cultivés sans engrais chimiques. Le choix est vaste, tout a du goût. Profitons de cette étape pour faire l'approvisionnement. Amboust est aussi une ville artisanale réputée pour sa soie naturelle et le travail du bois. Nous arrivons à Antouètre, porte du pays Zafmanir, la plus grande de toutes les communes.
Les Afmanir, estimés à 25 000 âmes, sont répartis dans plus de 90 hameaux reliés par des sentiers. Le pays couvre une superficie d'environ 1400 km². Le pays Afmanir est encore méconnu. Il offre pourtant des possibilités de trek magnifiques et adaptées à tous les niveaux. Récemment créé, le bureau d'Entouêtre a fait travailler une quinzaine de guides et une trentaine de porteurs. Papa Vélo, tour opérateur, coordonne avec toutes les différentes équipes en partance. 450. Touk a 20 ans. Depuis l'âge de 8 ans, il rêve d'être guide. Jean-Pierre assume la responsabilité de l'équipe. Il connaît très bien le parcours. Audrey participe au grand tour. Elle vient avec nous pour 6 jours de marche. Nous quittons en boost pour emprunter une piste qui deviendra de plus en plus sportive. L'équipe des porteurs qui nous accompagne ne met pas longtemps pour nous sortir de cette situation. La piste devenue impraticable, nous sommes obligés d'abandonner la voiture à 30 minutes de Ranomen, notre premier village d'Afmanir. Arrivé à Ranomen, nous marquons une petite pause casse-croûte. Les Afmanir vivent presque en autarcie. En relation étroite avec la nature, ils conservent un mode de vie essentiellement traditionnel qui a gardé son intégrité d'origine. Ce monde fascinant vous transporte parfois 100 ans dans le passé. Ouais, salam. Azamana dinwanaye nareo zayani ambunian. De la falaise, nous entamons une longue descente qui nous amènera au pied de la rivière Mananzar. Izani vava kaizani mitudia veti veti. Nous arrivons à Ivoeda pour notre premier bivouac. Nous installons les tentes sur un terrain gentiment prêté par une fan de Spider-Man avec qui nous partageons le repas du soir en chanson. Oh.
Havana, si sua che limite raga. Nous restons à fond de vallée, longeant la rivière Mananzar. Une gargote propose du café chaud et quelques galettes de riz. Ici, on les appelle moka. Salam. Un cumulus approche. La verse se fait courte, mais suffisamment abondante pour redorer la végétation. Nous arrivons après 6 heures de marche à Ambinandran, lieu de commerce et d'échange très actif les jours de marché. En pleine brousse, Zidane et Ronaldinho sont toujours des stars. À Marimar, les petits-enfants viennent à notre rencontre. Ce village n'a rien de hanté, comme le croyaient les porteurs. Pour eux, Marimar était un village hanté par des zombies. Un petit varissou, soupe de riz, permettra de mieux attaquer la montée qui va suivre. Mat papa. Est-ce qu'on va une manège, hein? 30 minutes. On a fait quoi la montée? 1h15 là au moins. Là, tiens. Et un bruit manège que c'est là. Si, ça me le tanan.
Notre approche est fêtée par un groupe de jeunes musiciens locaux. On utilise des bambous de différentes tailles en guise de percussion. Ces petits orchestres sont une spécialité du pays Afmanir. Une version.